c'est une fille qui est assez mystérieuse parce que finalement elle est extrêmement érudite. Quand on se demande les raisons pour lesquelles elle atterrit dans ce bar-là, elle fricote un peu avec les mauvais garçons. C'est certainement ce qu'elle aime aussi, mais sans obsession ni... C'est trop fort de dire perversité, mais enfin, il n'y a rien de malin là-dedans. Je pense que c'est une amoureuse, c'est une femme vis-à-vis de laquelle je me suis posé la question de savoir si elle avait eu des enfants, pas d'enfants. On ne sait pas vraiment d'où elle vient, cette femme. Mais bizarrement, ce qui a été très, très important pour moi, c'est le travail qu'a fait Florian, le chef décorateur, dans cet appartement qui n'est pas non plus filmé très longtemps dans le film, mais où il y avait eu un souci des accessoires, et notamment, par exemple, elle porte de la lingerie fine, cette fille. Elle a des livres dédicacés, elle a un frère, elle écrit, il y avait une machine à écrire. Donc voilà, tout ça, ça nourrit une espèce d'arrière-fond qui fait que c'est extrêmement enrichissant pour la comédienne, quoi. Non, mais bon, après, c'est vrai qu'il y a des comédiennes qui sont extrêmement marquantes. Par exemple, je pense à Simone Signoret, je pense à des personnages même comme Suzanne Flon, Arletty, bien sûr, mais enfin dans un autre style. Et puis, des enregistrements audio, voilà, enfin plein de choses, c'est vrai, oui, bien sûr. La voix, la façon de parler. Oui. Et puis, il se trouve en plus que depuis quelques années, j'interprète un personnage qui évolue à une époque qui est un tout petit peu antérieure, mais dans le cadre d'une série qui s'appelle Un village français. Et c'est vrai que c'est un peu des personnages féminins qui à chaque fois sont très engagés, frondeurs, investis, passionnés. Il y a quelque chose qu'on retrouve comme ça. Il y a des récurrences et une espèce de familiarité avec une langue, une tessiture, quelque chose de cet ordre-là. Notamment la première scène qu'on a tournée justement dans le film, enfin c'était la scène avec Alice à la fin du film, hein, muette, où elle finalement elle dit quand même au revoir à son amour en sachant qu'elle va pas le revoir, quoi, parce qu'elle le connaît. Et c'est même pas de la résignation, mais c'est une forme d'acceptation douce. En fait, c'est ça que j'aime bien, c'est ça. Pour moi, Jeanne, et d'ailleurs son prénom, je trouve qu'il porte ça aussi, c'est de la douceur et c'est énormément de compréhension et d'altérité, quoi, d'altruisme plutôt. Ouais.